Abdullah ici, c'est le marabout Mamadou Abdourahmane Sissoko Koulibaly. Tu appelais de Kinshasa? Ah voilà. Ah, tu es la première cimelle de la République. Ah voilà. La première cimelle. Hey. Donc dans votre pays là, il y a la première dame, il y a aussi la première cimelle de la République. Ah, je comprends. Bon, maintenant, madame la première cimelle de la République, tu appelais pourquoi? Ah, c'est pour l'histoire-là de Panama Papers de là. Abdullah. Donc, ton nom, il a aussi cité dans les histoires-là de Panama Papers de là. Ah, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire des gris-gris pour toi pour que ton nom-là, il disparaisse dans la liste-là des gens qui ont été cités dans les histoires-là de Panama. Ah, voilà. Ah, voilà. Non, ça va disparaître même. Maintenant, il faut respecter les conditions. Si tu respectais les conditions, ton nom là, il va disparaître même. Hawala. Hamoudoulala. Mais maintenant, moi, je ne comprends pas. Mais maintenant, comment toi, tu es arrivé dans le paradis là? Hawala. Pour aller au paradis, il faut d'abord que la personne t'y mourit. Mais toi, tu n'as pas mouru, mais tu es parti au paradis. Comment tu as fait pour arriver dans le paradis là? Ah, je comprends. Donc, il y a beaucoup de argent dans les paradis-là. C'est comme ça, les gens, même quand ils ne mourent pas, ils partent dans ces paradis-là. Ah, je comprends. Bon, maintenant, tu as les argent. Pourquoi tu voulais que ton nom-là, il disparaisse? Ah, le Congolais, il n'est pas content. Je comprends. Ok, maintenant, moi, je vais faire les gris-gris pour toi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez très bien les conditions. Bon, tu sais pourquoi le Congolais, il n'est pas content? Les Congolais là, ils n'ont pas content parce que les Congolais là, ils ne veulent pas des histoires là de Oumela, tu comprends? Ah voilà. Maintenant, les histoires là de Oumela, ils ont compliqué les choses parce qu'il n'y a pas l'élection, tu comprends? Ah voilà. Maintenant, bon, toi tu dis que tu as les argent dans les paradis. Maintenant, à part les paradis, parce que les argent dans les paradis là, maintenant que les choses là, il est connu, les argent là, il est bloqué dans les paradis. Mais tu as encore les autres argent dans les Congo. Ah voilà. Tu as combien de argent dans le Congo? Mais non, mais écoutez, mais maintenant, toi, moi je suis comme les médecins là, tu comprends? Je suis comme ton avocat. Quand tu veux, c'est moi le marabout Abdourahmane Sissoko Koulibaly Mamadou. Donc tu dois dire la vérité. Quand tu me dis la vérité, comme ça je vais te faire le gris-gris là qui est adapté à ton problème. Mais si tu ne me dis pas la vérité, comment moi je vais te faire un gris-gris adapté? Parce que mes gris-gris là, ce sont aussi des gris-gris informatisés, tu comprends? Les conditions que je t'ai données, ça doit adapter avec les gris-gris. Comme ça, quand tu respectes les conditions et les gris-gris adaptés, là, il va fonctionner. Tu comprends? Donc, il faut me dire la vérité. Tu y as combien de argent dans le Congo là? Quelques milliards. Ah voilà. Maintenant, tu vas faire ceci. Ah, seulement 3 milliards dans le Congo. Ah voilà, maintenant j'ai dit ceci. Donc si le Congolais là il n'a pas content, c'est parce que le Congolais là il a voulu les élections dans les délais, dans la délai constitutionnel là. Tu comprends? Moi je suis un marabout connecté, je suis tous les débats qui se passaient dans ton Congo là. Tu comprends? Maintenant ce qu'on va faire, c'est quoi? La condition que moi je t'ai donnée. Tu prends un peu des argent, prenons 1 milliard dans ton argent là que tu as au Congo. Tu prends les 1 milliard là, tu vas donner à la CENI. Ah voilà. Parce que la CENI, il n'a pas les moyens pour les organiser les élections. Toi, tu prends 1 milliard là, tu donnes. Oui, mais je t'ai dit, madame la première cimelle de la République, ça va marcher. Tu prends les 1 milliard là, tu donnes à la CENI. La CENI pour organiser les élections. Maintenant, le problème de la CENI, ça, ce n'est pas un problème pour toi. Moi-même, je vais encore faire les gris-gris pour que la CENI, là, il puisse devenir le responsable pour vraiment organiser les élections dans la transparence, dans la crédibilité. Tu comprends? Donc, toi, le problème, seulement, tu donnais 1 milliard à la CENI pour les organiser les élections. Et tu vas voir, quand la CENI, là, il organisait les élections, je t'assure, madame, la première email, le Congolais, là, il sera content même. Et le Congolais, il va oublier les histoires, là, des paradis de Panama. Tu comprends? Ah, voilà. Il va oublier les histoires, là, de Panama. Et tu vas vraiment récupérer ton argent, là, les milliards, là, qu'il y a dans les paradis, là. Tu comprends? Mais il faut respecter les conditions.
Ah voilà. Maintenant, quand tu respectes vraiment ces conditions-là, comme je disais, répétais, tu donnes un milliard à la CENI, il organise une élection. Le Congolais-là, il va être content quand il vit l'élection. Il va oublier les autres milliards-là dans les paradis. Tu comprends? Maintenant, si tu ne fais pas ça, ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être révélées. Ah voilà, mais je sais, mais je, parle, je connais mon sac-là, mon sac-là et le Fonseca. Je les connais. C'est moi qui avais donné les gris-gris-là pour qu'ils puissent avoir, pour qu'ils puissent former les Panama-là. Ah voilà, j'avais donné les gris-gris depuis longtemps pour former les Panama-Fonseca-là. Tu comprends? Exactement, madame la première Zimène. Ah voilà. Mais hier là, le même, l'autre là, le Kiki là, le pétrolier, il m'a aussi appelé pour les histoires là de Panama. Vraiment, ces derniers temps, j'ai beaucoup de clients là, j'ai même Platini, j'ai même Messi, j'ai même beaucoup de présidents, les Zuma là, beaucoup de gens, ils m'ont appelé pour les gris-gris, pour les histoires là de Panama. Tu vas voir, comme les autres aussi, j'ai donné les conditions, ils vont respecter leurs conditions, tu vas voir que les histoires là, ils vont vraiment disparaître. Le nom, il va disparaître et puis tu vas récupérer ton argent là, les milliards là, dans les îles là, dans les paradis là, tu comprends? Abdoulah, madame la première Zimène. Mais il faut respecter les conditions. Si tu ne respectes pas les conditions, il ne peut pas venir encore ici pour dire non, voilà, les toi, Marabou, Mamadou, Abdoulah, Mane, Sissoko, Koulibaly, ton gris-gris là, il n'a pas fonctionné. Tu respectes les conditions, les argent là que tu as au Congo, tu donnes un milliard à la CENI pour organiser l'élection. Et tu vas voir que vraiment les Congolais là, il va vraiment tout oublier. Tu comprends? Abdoulah, salam alaikum. Malaikum salam.